Salut les gens, c'était Rico de Little Geeko and Friends et on se retrouve pour sûrement la dernière vidéo que je ferai sur The Binding of Isaac, à part si vous voulez plus de vidéos bien sûr. Et je continue un run qui était pas mal, car en fait il y a un combo qui est vraiment n'importe quoi je trouve. Et regardez, voilà, ça c'est mes larmes, elles sont comme ça parce que simplement j' ai les Rainbow Tears qui sont les larmes aléatoires. Mais j'ai aussi Soy Milk qui me donne une vitesse d'attaque maximum. Et j'ai eu la balance. Vous voyez, je suis noir et blanc. Et en fait, balance tout simplement tes stats. Ça fait que ça a baissé la vitesse d'attaque pour augmenter mes dégâts. Et ça fait que je passais de dégâts moyens à dégâts OP. Oui, exactement. Utiliser maintenant que ça se met une carte qui sera la carte de l'impératrice. Pourquoi pas? On est bien premier utérus numéro 1. C'est que je pourrais revenir. Voilà. Voilà. Reste comme ça. Il n'a pas trop soufflé. Et j'ai la clé pour aller voir Mega Satan. Alors plus de vitesse d'attaque. C'est toujours plaisir. Oh, vraiment un objet de merde. Alors, on va le changer. Tout de suite, le Saint Graal, plus de points de vie, je vole. La bombe ne marche plus sur les anges. Non, non, un troisième ange. C'était nul à chier. Je passe une pièce. Je crois que c'est en fait que le premier ange, mais je ne suis pas sûr. Non. Voilà, je récupère ça. Yes, deux pilules. Non merci. Ah, la blanche, si, elle est bien. Elle est bien, Best Bud. Par rapport à la mouche de protection, Best Bud, en fait, quand vous faites toucher, c'est pas une mouche qui va apparaître autour de vous, c'est une mouche invincible qui va suivre les adversaires jusqu'à les tuer. Et donc, c'est pas mal. Par contre, un truc que j'aimerais bien avoir là, c'est un autre objet de Guppy, vu que j'ai le collier et j'ai le chameur. J'ai failli avoir le chameur deux fois, mais je savais pas si ça se comptabilisait. J'ai pas voulu essayer. S'il te plaît, passe-moi quelque chose de bien. L'ermite, qui ne servait à rien, qu'il n'y a pas de magasin. Yes. Ouais. Vas-y. Elle me fait un dégât. Wouah. C'est chaud. Vous voyez que la mouche est sortie et donc la mouche en fait suit les ennemis. C'est ça aussi. Un dégât se fait mal. Deux et il me passe un objet de merde. Je vais péter du temps fort en même temps, plein de bombes et l'objet sera encore un objet de merde. J'ai la blue map qui me permet de voir où se trouve. Sont les salles secrètes. Putain, la mouche qui m'a tué, c'est totalement gratuit, ça. Et le coffre contient encore plus de bombes. Donc j'ai les méga bombes, donc ça, c'est cool. Voilà. Et donc, là, ce que j'hésite de faire, c'est soit juste je bats le bébé bleu. Je voulais toujours pas montrer le bébé bleu, en fait. Alors que Méga Satan vient juste de vous le montrer. Mais le truc, c'est que j'ai la clé pour aller à Méga Satan. Donc, je vais faire le bébé bleu. Méga Satan, je vous montrerai la cinématique qu'on a après le bébé bleu. Je vais faire ça. Ça me paraît le mieux. Ah mon dieu, mais le Saint Graal, quoi. En plus, c'est la première fois que je l'ai, cet objet. Juste pour vous dire. C'est la première fois que j'ai cet objet. D'avoir comme une merde. J'ai 7 vies, mais quand même, avec mes 7 vies, je vais réapparaître avec un seul point de vie, donc ça va être un peu chaud. La salle d'arcade, ah oui. Mais ça me sert à rien, j'ai déjà la clé, putain. Oh, quand même, deux runs d'affilée, deux fois il me donne l'objet. C'est n'importe quoi. Des portes dans un truc qui est aléatoire, d'accord. Je me demande si ça peut me téléporter dans la salle erreur. Enfin, la salle I am error. Une salle qui te donne un objet, des coffres et tout, et qui te fait passer un niveau.
Je ne crois pas, vous l'avez déjà dans une vidéo. Bon, mais ça, facile. Le décor, je m'en fiche un peu, je peux marcher dessus, en plus je vole. Ce serait bien que ma mouche, par contre, ma mouche bombe, puisse en exploser plein. Mais, pas l'air de vouloir. Le cœur d'enfant, non, ça va. Pas besoin. Je m'en fiche complètement d'eux. J'ai les larmes qui se tonnent. Mon bébé. Voilà. Oh. Merci. Pas du tout fait gaffe aux cailloux, si on peut dire remarquer, c'est pas vraiment des cailloux. Je peux pas aller dans la salle de défi de boss. Normalement, on peut aller que dans la salle de défi de boss quand il nous reste un point de vie. C'est un peu n'importe quoi. Je trouve. Et de cailloux marqués, il n'y en a aucun ici. La pilule du jour sera Tears Down, merci, et Range Down, merci. Je crois qu'il y a le pierre spirituel là, et la salle super secrète qui me passe un quart d'heure. Je prends. Je ne crois pas que j'ai des objets à changer. Merci. Mémoire de poisson rouge, de toute façon je vole, j'ai assez bonne vitesse. Qu'y a-t-il dans cette salle? Salle du démon, je n'aime pas ses ennemis du tout. Puis en fait ils peuvent sortir mais au-dessus de Antedou. Et c'est un peu nul de se prendre des dégâts inévitables. Non, c'est cette basse. Non plus. Alors, c'est celle d'arcade. Je lui avais proposé les clés d'AD que je change contre un autre fantôme. Ça passe. Ah non. J'ai pas Best Friend Forever. Ça t'es cool vu que j'ai quand même pas mal de bébés avec moi. Et It Leaves. Voilà. Boss très facile. J'ai pas mal d'habitude quand même. Je vais essayer de faire en sorte que le bébé il absorbe une. Un tir, mais il n'a pas déclenché. Ah! Bon. Cathédrale. Cathédrale, donc on va battre Isaac. Et vu que j'ai Polaroid, on pourra battre le bébé bleu. La salle en forme de croix. Pas mal. J'espère juste que lui, il va pas se téléporter sur ma position, ce qu'il adore faire. Et donc, il fait un dégât en possibilité. Complètement gratuit. Ouh, le masque d'infamie qui m'a sauvé. Et super grid. Qui va me passer un objet, je crois. Ça se faire. Non, des pièces. Genre, ok, il y a eu les bombes. J'ai vu qu'il pouvait me passer monnaie Qual Power. Il pouvait me passer des soldes de Steam. Donc plein d'objets que j'aurais pu reroll. Ok. En haut. Qu'y a-t-il? Un boss qui va être assez facile. Et ouh! Oui, oui, oui! Oui, oui, oui! Technologie! Technologie qui sera changée en. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, vu que mes effets de larmes changent tout le temps, ça ne m'intéresse pas d'avoir un effet qui aura la possibilité de changer en fait. Ça c'est risqué d'aller dans cette salle maintenant. Même si j'aimerais bien avoir un objet de guppy. Voilà. Vous voyez que là je l'ai l'effet de la barre de fer. Donc, la voir en permanence, c'est pas un truc. Ouais. On va faire attendre pour avoir un meilleur objet. Allez, passez-moi des cœurs spirituels s'il vous plaît. Là, une carte qui passe la salle secrète, mais j'y suis déjà allé. Oublié. Alors, on se rapproche. Allez. Facile. Alors, les bons dégâts. Je pense que je peux les monter encore un peu plus. Mais juste pour le fun. Je vais essayer de tenter d'avoir. Un cœur spirituel, peut-être après les avoir battus,
entre le jeu RAM, what the fuck. Oui, carte spirituelle que je voulais. Oui, je. Et voilà, me voilà. J'espère que ça va mieux marcher. Non, ça n'a pas l'air. Bizarre. On vient de sortir de cette salle, oui. Parfait. Carnage boss, trop. Près 2. Rien plus difficile. Et un petit objet, non? Une clé. On n'a jamais assez de clés, même si j'en ai quand même pas mal. On va changer. Non, c'est pas un objet que je voulais changer. Si, je voulais changer cet objet. Mais d'abord, je vais aller dans la salle maudite. Si le jeu voudrait bien arrêter de ramer, ce serait cool. What the fuck? Rien du tout. Je suis déçu. Mais voilà, tu sais, je crois que j'avais en fait pas assez de place sur mon disque dur, je l'avais oublié de supprimer des fichiers. Et je vais changer d'objet. On va aller dans notre salle. Malédiction de Bob. Ouais, 5 bombes plus bombes empoisonnées. On reviendra faire un tour. Alors, si c'est les bombes qui font peur, ou c'est number one, je ne sais pas. Pas. On va essayer de recharger encore une fois l'objet. Je sais pas quelle bombe c'est. Mais si je pense ne jamais avoir eu IPCAC. Bonus. Ah. What? Méchant bouche. C'est pire que Bob's Brain parce que Bob's Brain il est lancé quand tu tires toi. Alors que là, c'est vraiment quand il heurte un ennemi. Bah, c'est encore deux salles pour remplir, changer d'objet. Là, je ne me rappelle plus du tout quel objet était en haut. Quel objet était en haut? Je ne me rappelle plus du tout quel était cet objet. Oh! La doublette de grid. Est-ce que leur famille le sait? Mais j'esquive ça. En plus de pièces. Et la salle va contenir le D4 change les objets. Ça va changer. Ça fait que ça sera plus les soldes Steam normalement. Si il dit pas de conneries. Speeddown, Balls of Steel, ça je prends direct. Are you a wizard? Ok. Speeddown et. Batrip. Putain. Alors, vu que j'ai. Alors, normalement, l'objet a changé. Et l'objet sera. On dit pas que je dis de la pile caca. Ouais, c'est midas. Oh. Même si l'argent ne me sert à rien du tout, c'est un moyen de stun un ennemi. Comme un autre. Et objet, là, ça toujours les bons. Ok, ça n'affecte pas. Plus de splash, je crois que c'est les. Voilà, plus de tears up et les larmes font ça. Le cœur de cricket. Ce skin d'Isaac, quand même, je le trouve vraiment pas mal. Vraiment très. C'est bien angélique comme il faut, quoi. C'est pas un truc contradictoire avec. L'auréole et par exemple des cornes de diabouco. Waouh! What the fuck? Aïe! Et ben c'est où? Mon dieu! Mon dieu! Je vais garder la carte strength pour ça. Voyez? La clé qui m'ouvre méga satin. Worms Contact, Spider Bat, Out of Jump. On peut changer cet objet là et cet objet là pour espérer ne pas plus l'avoir dans le reroll d'objet. Ça j'ai chargé. J'ai chargé les dés.
C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. T'as deux fois d'affilée touché de la mort. Yum Art. Bon, pareil, on va laisser là. Je sais pas si je vais le changer. C'est important de changer l'autre. Même si je pense que dans le reroll d'objet, je vais prendre les lentilles de mode. Même si j'ai une chance de 1, c'est quand même pas mal. Si je pouvais tomber sur argent égal de dégâts, ce serait pas mal. What? Je sais plus quels sont mes tirs et quels sont pas mes tirs vu que j'ai des tirs rouges aussi. C'est un peu jeu de tout comprendre. Mais c'est épique. Ah bon. C'est l'arme comme ça. Si je gagne pas avec ce stuff, je sais pas ce qu'il faudra faire de moi. Par contre, je vois rien à l'écran, je vois pas où sont les tirs des ennemis. C'est bien chiant, The Stars ça sert à rien, pas de sale d'objet. Salle secrète. Bon, tiens. Je vais essayer des pilules peut-être. Ouais, non, je suis bête. Tears down, Balls of Steel et puberté. Ok. Donc, non, c'est pas ça que je... Ah. Manette qui s'est déconnectée. Ouais, je vais me soigner avec ça. Je vais prendre Mom's Contact. Mom's Eyes, putain, à chaque fois que je me trompe, c'est encore plus le bordel. Les bombes à tête chercheuse peut être cool. Ouais, je les prends, ça fait 5 bombes en plus. Putain, mec, c'est n'importe quoi. Avec les yeux de meuf. Alors, on va prendre quoi? Oups. Aïe, ça fait. Waouh! T'as ça avec Ipecac. Mais bordel, quoi. Bagdad. Aïe, putain, je l'ai pas vu avec la map. Je vais l'enlever tout de suite. Ah là, c'était même contact. Il me passe le full. Non, merci. Ok. Qui c'est? Ah. Ok. Ah, j'ai My Reflection, d'accord, pour ça. Les larmes viennent vers moi. C'est pour ça. Je vais péter. Oui. Oui, oui, oui. Infestation qui fait que quand je tue un ennemi, il me donne des mouches, des araignées d'attaque. Et ça c'est cool. Ok. De 1, voilà. J'ai une mouche. Par contre, une araignée, je veux dire. Par contre, mes araignées, quand elles tuent un ennemi, ne me donnent pas encore de pareil. Oui, ça c'est bon, mon pattern. Phew. Tandax. Pourquoi je vais moins vite là? J'ai envie d'aller moins vite. D'accord. 48 heures énergie. Génial. Gurdy et Gurdy Junior. Non, c'est Gurdy Junior et les Gurdy. Dis du caca. Ici, peut-être? Ouais. Quoi? Wow. On va jouer un peu. Edge Key. Non, merci. Le cancer me va très bien. Ça augmente la vitesse d'attaque. Deux diamants. Ouais. On n'a jamais assez d'argent. deux diamants, encore une fois. Et un objet à reroll. Et puis non, je prends Forever Alone. Pas d'objet dans cette salle.
prend 48 heures d'énergie. On va aller reroll nos objets. Ça c'est cool. Baloptar. Et Daddy Longleg, mais oui, je prends. Je te choisis. Daddy Longleg. Et là je vais plus vite. Pourquoi? C'est quoi là je vais plus vite? Non, j'ai déjà pris l'objet ici. Il va peut-être me donner un objet. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'autre objet là-bas aussi. Téléportation. Ouf. Je vais pas rentrer direct. Ce serait pas cool de pas vous avoir montré. Bien sûr, le bébé bleu. Bon, les dégâts. Normalement, il est un peu plus facile. Je l'ai pas respecté. Je l'ai pas du tout respecté, le mec. C'était bébé bleu. Il est à peu près pareil que Isaac, il est un peu plus tanky. Et il a des larmes qui sont plus à tête chercheuse et il invoque un peu plus de mecs. Normalement. Bon, là par contre, je n'ai pas les larmes. Les larmes pas à tête chercheuse, mais les larmes bouclier. C'est tellement bordel. Ok, il faut rappeler l'invocation. Mais là, Envy avec ses larmes, c'est gratuit. C'est moins que gratuit. Il invoque encore un truc ? Déjà les anges. Encore une fois. Boum. Ce stuff est tellement OP. Déjà. Genre, faut encore plus abuser. Allez. Elle est là. Déjà ma mouche, mon araignée, je veux dire. Bon, on la connaît cette cinématique où Isaac se libère et sourit enfin. Stat, je suis mort 113 fois, 284 objets, je suis quand même pas mal, il m'en manque pas mal à faire. Il me reste. Ah, j'ai fait toutes les fins. Bah, les trois dernières fins sont les meilleures, je trouve. Ça, c'est la fin quand on bat bébé. Je sais pas, j'ai trouvé ça triste. La fin. 100 points d'interrogation. Donc ça, c'est la vraie fin. Ça, c'est une autre fin. La fin quand tu bats à Jésus. Voilà. Isaac a disparu et sa mère le cherche. Là, il n'est pas marqué Vienne, mais enfin, la fin, la fameuse fin, dans le coffre. Donc voilà, Isaac, j'ai battu tout le monde, j'ai fait toutes les fins possibles avec Isaac, Judas, il me reste Satan et l'agneau à tuer. Après l'inverse pour Eve, Samson, on a fait pas mal, avec Eden aussi. Donc voilà, je pense que pour moi, ce sera la dernière vidéo d'Isaac que je vais vous faire. À part bien sûr, si vous voulez plus d'Isaac, je n'hésiterai pas à en faire dès que j'aurai un bon run. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao et surtout, jouez bien. Bye bye.